Savez-vous que flouter une image pouvait être dangereux? Vraiment très dangereux. Bon, je pense que si vous faites de la vidéo, vous avez sûrement dû flouter énormément de choses comme numéro de téléphone, mot de passe, pour pas qu'on voit combien il y a de caractères, etc. Ça a dû vous arriver de flouter les choses. Mais, il y a un logiciel, ça s'appelle SmartDeblur, Deblur, ce qui veut dire déflouter en français en gros, qui permet de déflouter les images. Donc j'ai quelques exemples. Par exemple, ça. Là, on voit un texte ben, quasiment illisible. Et finalement, après, on arrive à lire This hidden text was blablabla, etc. Et c'est quand même énorme de pouvoir déflouter. Je vais pas vous montrer 10 000 exemples. Mais on peut déflouter des images quand même extrêmement floutées. Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible? C'est tout simplement possible parce que bien sûr, là on parle de déflouter des images artificielles, faites avec des logiciels. Si vous faites une image floue, c'est foutu, elle est floue. Hein. En fait, quand un logiciel floute une image, il a un algorithme qui lui dit, avec tel pixel, tu fais ça, avec ça, tu fais ça. En gros, il applique un algorithme qui va permettre de flouter l'image. Le logiciel SmartDeblur, il va faire cet algorithme, mais à l'envers. C'est pour ça qu'on arrive à avoir ce genre de choses. Et c'est quand même énorme de pouvoir déflouter. Parce que là, il y en a certains, ils vont très vite enlever des vidéos en ligne pour pas qu'on voit leur mot de passe ou autre. Si vous voulez télécharger SmartDeblur, vous pouvez, il y a une version gratuite Windows et Mac. Et une version pro, même je sais pas à quoi sert la version pro. Ah ben, elle sert à ça. Et vous faites comme vous voulez, mais sachez que c'est un logiciel très puissant qui va casser beaucoup beaucoup de choses. Ah non, en fait, la version n'est pas gratuite. C'est pas cette blague! Donc, ça. Si, bah, si c'est gratuit finalement. Enfin, sachez que c'est un logiciel quand même très puissant. Et qu'il va falloir y faire attention. Faites vraiment attention quand vous floutez. Si vous pouvez éviter de flouter, bah, mettez des carrés. C'est plus moche. Mais c'est une valeur sûre, les carrés ou les gros trucs dessus. En tout cas, voilà, c'était tout.